Bienvenue dans Enquête de Région. À quelques jours des Jeux Olympiques, on a choisi de vous emmener ici, à Font-Romeu, à 1850 mètres d'altitude. Font-Romeu, ses pistes de ski et son site unique en Europe, le centre national d'entraînement où sont venus se préparer les athlètes. C'est aussi une école où l'on forme des sportifs de haut niveau. Mais quel est leur quotidien, les sacrifices qu'il faut faire, les recettes de cette école pour faire éclore des champions? Enquête sur un campus d'exception. Les entraînements ils sont physiques, du coup on est fatigué, mais il faut rester maximum concentré quand on est à l'école, faut pas perdre de temps. Mais tous les étudiants français n'ont pas la chance d'être autant chouchoutés. Pour certains, cela peut même virer à la galère. Précarité, compétition, stress. Comment faire pour vivre quand on a moins de 5 euros par jour ou qu'on habite dans un squat? 5 étudiants ont accepté de témoigner à visage découvert. On pense pas forcément en premier aux études en fait, on pense d'abord à s'en sortir. J'ai toujours ce côté financier, problème financier qui me revient en tête sans arrêt, qui me revient en pleine face. Bah c'est sûr que le cliché de l'étudiant qui sort tous les soirs, qui fait la fiesta tout le temps et qui est toujours avec ses amis, bah non. Ici, à Font-Romeu, pas un endroit, pas une salle où l'on ne s'entraîne pas. Et à quelques jours des Jeux Olympiques d'hiver, eh bien l'ambiance est un petit peu spéciale. Ici, en terre de champions, tous les regards vont se tourner vers le catalan Martin Fourcade, roi incontesté du biathlon, et l'ariégeoise Perrine Lafont, l'étoile montante du ski à bosse. Et ils ont d'ailleurs comme point commun d'avoir été élèves ici, au collège et au lycée Pierre de Coubertin. Un établissement unique en Europe qui, depuis 50 ans, forme les athlètes français. Nous avons suivi de jeunes sportifs qui se préparent pour les JO de 2024 à Paris. Font-Romeu à l'école des champions. C'est un reportage de Sophie Pointer, Jean-Pierre Duns et Anna-Louisa Rupert. Depuis les JO de Mexico, la cité sportive de Font-Romeu a vu défiler des générations d'athlètes. 260 médailles olympiques sont venues se préparer sur ce site d'altitude de renommée mondiale. Un lieu entièrement dédié à la performance et un lycée sportif, véritable réservoir à champions. Études, entraînement, comment se forment les espoirs de demain? Plongée dans le haut niveau. Donc bac 9 et sur le switch bac 9, je descends avec toi. Snowpark de Font-Romeu, le terrain d'entraînement d'Enzo Valax. Champion de France de freestyle, médaillé de bronze au championnat du monde junior de Big Air. À 17 ans, l'ariégeois est l'étoile montante du snowboard tricolore. Bah, je vois pas comment ça pourrait aller mieux. Là, il y a les conditions parfaites, il a neigé il y a 2 jours. C'est parfait. Bah, le snowpark, il est bien. C'est dans sa station d'Axe 3 Domaines qu'Enzo découvre tout jeune le freestyle. Son potentiel et sa progression fulgurante lui permettent d'intégrer il y a 5 ans la cité scolaire de Font-Romeu. Enzo, on l'a vu grandir, il est arrivé tout petit au lycée de Font-Romeu et puis il est monté en puissance. Et puis petit à petit, ses besoins également sont montés en puissance et on a su s'adapter. On lui a offert un beau snowpark qui lui permet de s'entraîner tous les jours. Et donc maintenant, c'est effectivement, on profite un petit peu de cette image et de toute la notoriété qu'il est en train d'obtenir avec son parcours. Un parcours sportif prometteur au sein du pôle espoir snowboard du lycée. Posez fleur, pas une main! Il est bien. Ouh. Destiné aux élèves les plus performants, le pôle permet de viser le haut niveau tout en suivant une scolarité au sein de l'établissement. Là, il est vraiment en forme. En fait, l'enfant et la performance sont vraiment au centre du dispositif. Donc tout est mis en place pour qu'eux, ils performent. C'est le seul établissement scolaire qui est ouvert les week-ends pour les internes. Donc ils restent pendant l'hiver, ils restent là 90% du temps. Ils rentrent un week-end par mois pour voir les parents et le reste du temps, ils sont ici. Le plus difficile, c'est de garder toujours l'influx, toujours la motivation pour faire plus à l'entraînement, pour toujours être studieux en cours
Les entraînements, ils sont physiques, du coup, on est fatigué, mais il faut rester maximum concentré quand on est à l'école. Il ne faut pas perdre de temps. Une saison d'hiver, c'est quand même court. Les journées d'Enzo laissent très peu de place au temps libre. Élève en terminale S, il doit passer son bac cette année. Comme les 76 sportifs de haut niveau du lycée, son cursus scolaire a été adapté. Aquí tenemos que ser un poco más extensos en la frase. A ver. Un emploi du temps aménagé en fonction des entraînements et surtout un accompagnement individuel pour rattraper les cours manqués pendant les stages et compétitions. Les sportifs bénéficient de 60 heures de tutorat dispensées par des enseignants volontaires. This picture can show the domestic violence. Okay. What are the three things that are suggested in the video? Je pense que c'est essentiel pour eux parce que c'est une chose de rattraper tout seul quand ils sont en compétition ou quand ils sont en entraînement. C'est une autre chose d'être avec le professeur qui peut expliquer des points intéressants qui sont essentiels à voir. What other words did you use, Enzo? I can't remember. Hopeless. We use hopeless. Hopeless. Est-ce qu'en tant qu'enseignant, vous avez un peu plus d'indulgence avec des élèves comme ça? Certainement pas. Ils sont comme tous les autres. Pas de favoritisme donc, mais plutôt un suivi favorisant le développement personnel et la réussite scolaire. Pour l'équipe pédagogique, la priorité est d'encourager la poursuite d'études de ces jeunes athlètes. Il y a obligatoirement un projet scolaire à côté qui n'est pas forcément dans l'élitisme. Le projet scolaire, il peut être aussi dans la filière professionnelle ou la filière technologique. Le tout, c'est qu'il y ait un projet qui réussisse à la fois ce projet scolaire, qui l'amène sur une formation spécifique à côté de son entraînement et sa formation de sportif, bien sûr. Des jeunes sportifs qui viennent de toute la France étudient à Font-Romeu. Ils sont plus de 130 à être internes dans l'établissement. Comme beaucoup de ses camarades, Enzo vit loin de sa famille depuis qu'il a 14 ans. La passion du sport rapproche ses élèves qui étudient et s'entraînent ensemble toute l'année. Enzo, c'est celui qui va sûrement aller le plus loin dans le snowboard, mais ce n'est pas pour ça qu'il va avoir une place au-dessus ou quoi que ce soit. On est vraiment tous là ensemble, tous là pour apprendre. Et il nous apprend beaucoup, on lui apprend beaucoup et c'est comme ça qu'il y a une bonne ambiance et que tout le monde progresse. On passe des soirées à échanger. Il y a une solidarité qui se crée au fil des années. Quoi. Même si les gens ils n'arrivent pas tous au même moment, au final, on se rejoint tous. Et c'est une belle aventure. Quoi. Une aventure qui devrait emmener les plus performants sur la route des JO. Depuis 50 ans, c'est entre les murs de ce lycée que se préparent les champions olympiques de demain. La cité de Font-Romeu abrite 9 pôles sportifs de haut niveau. Regroupés autour du lycée, les installations permettent aux élèves d'avoir un accès immédiat à leur lieu d'entraînement, quelle que soit leur discipline. Depuis sa construction en 1968, la salle d'armes n'a pas beaucoup changé, sauf peut-être les coupes et trophées qui s'accumulent. Aujourd'hui, ce sont les athlètes du pentathlon moderne qui s'y entraînent. Escrime, natation, course, tir et équitation, ce sport est né de l'imagination du créateur des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin. Et ce n'est pas un hasard si le lycée de Font-Romeu qui porte son nom abrite le pôle France de cette discipline. À 17 ans, Aymarie fait l'un des espoirs français du pentathlon. L'esprit olympique, la jeune fille en est imprégnée depuis son plus jeune âge. Ça représente quoi pour toi, les Jeux Olympiques? C'est le maximum qu'un sportif puisse atteindre. Les Jeux, c'est un rêve. La plupart des sportifs veulent y aller. C'est symbolique. 1, 2 et 6 opposés en France. Je vais m'entraîner à fond et me donner les moyens de pouvoir y aller. Oui. Une ambition d'autant plus forte que le lycée prépare la Génération Paris 2024. Pas mal. Ça manque un petit peu de vitesse de pointe.
Et puis la difficulté toujours de partir vers l'arrière et de revenir devant l'arrière. On a toujours cette envie de former des athlètes qui un jour iront au jeu. Mais c'est vrai que ce défi supplémentaire d'avoir la chance d'avoir les Jeux à Paris, ça nous pousse encore un peu plus de dire tiens, si dans 7 ans il y avait un ou deux athlètes que j'ai pu entraîner ici qui se retrouvent à Paris, ça serait encore plus sympa. Et la prochaine échéance olympique, ce sont les JO d'hiver en Corée, le rendez-vous des patineurs de vitesse. Ils sont 4 de Font-Romeu à être qualifiés. Reste large, construis de la vitesse, bien compact. Depuis 8 ans, la cité catalane est le camp de base de l'équipe de France de short track. La qualité de glace de cette patinoire d'altitude permet aux meilleurs Français comme aux jeunes du Pôle Espoir de se préparer aux grandes compétitions. La réputation du site attire régulièrement des patineurs étrangers de très haut niveau. Try to skate good and relax. C'est bon ? On fait quand même une discipline, l'objectif c'est de gagner des courses. Donc c'est important d'avoir d'autres patineurs qui viennent avec un niveau international pour aussi permettre à nos athlètes de pouvoir concourir à l'entraînement contre eux, que ce soit sur les trajectoires, que ce soit sur la vélocité dans la glace ou alors même sur des pratiques au niveau technique qui peuvent aussi nous aider à nous développer. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir un échange comme ça multiculturel et régulier. Allez, 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 allez. Et c'est toute la particularité de Font-Romeu. Son centre national d'entraînement en altitude accueille des sportifs du monde entier. Construit en 1968 pour préparer les JO de Mexico, le CNEA permet aux athlètes de profiter des bienfaits de l'altitude tout en leur offrant un accompagnement technique. Et pour répondre aux nouvelles exigences du haut niveau, le centre a dû investir dans du matériel de pointe. Je vais monter à 4003, là je vais monter à 3008, 4002. Cette nouvelle salle d'entraînement en hypoxie reproduit les conditions de la très haute altitude avec une quantité d'oxygène plus faible. Aujourd'hui, c'est une séance de vélo qui dure une heure, qui va être sur la fin de la séance à une altitude de 4100 mètres. Et on se rend compte, grâce à ces séances, que finalement, ce travail de cardio extra nous permet d'améliorer la récupération. Donc ça paraît un peu un contresens de dire mais si tu montes encore plus en altitude, ça va les fatiguer. Et il semblerait que non. Encadré par le préparateur sportif du centre, les séances suivent un protocole très précis avec un suivi physiologique de chaque athlète. Il faut qu'on continue à avancer avec les connaissances de la science, faire le lien entre la science et la pratique. Donc c'est pour ça que le travail commun avec les entraîneurs et au quotidien, il est important. On passe notre temps à lire les études scientifiques, à en parler aux entraîneurs, à adapter l'entraînement. Et c'est ce va-et-vient qui permet vraiment de trouver des solutions d'entraînement intéressantes. Ce que tu feras, l'innovation au service de la performance sportive, c'est ce qui attire à Font-Romeu des athlètes dont les besoins sont de plus en plus pointus. Pour optimiser la préparation physique, la technologie évolue. 4, 5, allez. Surfeur professionnel Paul César est venu tester une nouvelle machine, la K-Box. Le centre de Font-Romeu est l'un des rares en France à posséder cet équipement conçu pour les sports de glisse. Dans le surf, il y a un développement des manœuvres aériennes, donc tout ce qui est rotation en l'air et réception. Et la K-Box est un outil parfait en fait, qui me permet de vraiment travailler sur la réception, donc le freinage, l'arrivée sur l'eau. Et, aujourd'hui, je ne connaissais pas trop de machines qui permettaient justement de travailler ça en spécifique. Mais pour rester compétitive, la cité de Font-Romeu doit poursuivre la rénovation du site. Parmi les projets à venir, la construction d'un nouvel espace entièrement dédié aux équipes et sportifs de haut niveau. L'idée étant effectivement de rapprocher toutes les unités d'accompagnement de la performance au plus près des installations, de manière à avoir l'unité de récupération, de préparation physique, le médical, le paramédical, dans un complexe intégré qui permet de travailler toutes les phases de la récupération et de la préparation de la performance. Mais il va falloir aller vite, car tous les regards sont maintenant tournés vers Paris 2024. Font-Romeu espère bien jouer un rôle de premier plan pour ces Jeux olympiques à domicile, devenir un site officiel pour la préparation des athlètes. 50 ans après Mexico, un nouveau défi à relever et de nouvelles médailles à gagner.
avait envie de prolonger la discussion avec vous, Audrey Gade. On vous a aperçu dans ce reportage. Vous dirigez ce centre national depuis 4 ans. Vous avez eu le nez creux. C'est en plein redécollage, Font-Romeu. Oui, on est ravis, effectivement, avec les grandes échéances qui arrivent. On a de grandes ambitions pour ce site et tout est au vert. Oui, 2024, ce sera effectivement un rendez-vous important. Vous nous confirmez que ça va devenir un site officiel de préparation des athlètes ici ? Alors, effectivement, c'est un site du ministère des Sports qui est déjà reconnu pour accompagner la performance. Depuis 50 ans maintenant, avec l'arrivée de la Coupe du Monde de rugby en 2023, les Jeux de 2024, on s'inscrira évidemment dans le mouvement. Alors, l'État investit de l'argent, la région également. Il se trouve que le délégué interministériel qui va s'occuper des Jeux Olympiques, c'est un voisin, c'est le maire de Prades, Jean Castex. Est-ce que ça facilite les choses, tout ça ? Bah écoutez, je dirais que tous les astres tournent autour de nous et effectivement, on a une attention importante du ministère des Sports, de la région Occitanie qui va soutenir et qui soutient nos projets d'investissement et Monsieur Castex qui, depuis toujours, a eu la gentillesse de regarder attentivement ce centre. Qui avez-vous envie d'accueillir ? Quelles équipes ici ? Alors on a déjà des équipes traditionnelles, hein, quand on travaille sur le fond, bah, la natation, la lutte, le triathlon sont chez eux, je dirais, le pentathlon moderne, mais aussi on a un renouveau avec tout ce qui est sport de combat, avec la boxe, l'équipe de France de boxe, la Team Solid qui était venue se préparer pour l'Olympia de chez nous, le judo, le taekwondo, le jiu-jitsu et puis le rugby. Le rugby qui revient avec le rugby féminin qui a fait sa préparation de la Coupe du Monde, le 15 féminin, le 7 féminin qui vient. Et donc on s'insère dans des projets pour Paris 2024 et pour l'Olympiade pour les accompagner dans leur préparation. Et donc il y a déjà beaucoup de réservations. Il y a déjà beaucoup de réservations et des projets de planification d'intégration de l'altitude dans la performance des équipes de France, mais aussi internationales. Qu'est-ce qui plaît ici ? C'est cette ambiance aussi un peu familiale ? Oui. Ce qui plaît, c'est effectivement qu'on est un centre de préparation de haut niveau, que tout est intégré. On peut dormir, se nourrir, se récupérer et évidemment s'entraîner sur une même base à moins de 2 minutes. On a aussi un plateau environnemental absolument exceptionnel. Hein. On peut faire tout ici, sur le plateau de la Sardane-Cap-Cyr. Et puis, il y a ce côté où on est une petite structure, finalement, au milieu des montagnes, et on accueille tous les gens qui sont autour de moi, toute mon équipe, le lycée, les staffs sont aussi à cœur de créer un environnement où on se sent bien et où on vit bien ici. Et alors, vous m'avez dit, vous n'avez pas trouvé l'équivalent ailleurs, vraiment ? Non. J'ai beau chercher, même au niveau international, je ne trouve pas d'équivalent de ce centre, avec une telle énergie, un plateau à 1800 mètres, je n'en ai pas trouvé. Alors, il y a tout le travail que vous faites avec les sportifs de haut niveau, mais vous avez aussi d'autres projets pour les étudiants de manière générale, avec une cité des métiers. Ça consiste en quoi ? Oui, alors effectivement, le campus des métiers du sport, ça permettra effectivement d'ouvrir au-delà du cursus traditionnel que nous avons déjà, jusqu'au bac et avec l'université STAPS, à des métiers différents. Des cursus qui permettent d'intégrer les métiers nouveaux de demain dans le domaine du sport, du haut niveau, du sport professionnel. Style sport d'aventure, le fitness Par exemple, mais aussi la communication autour du sport, la notion d'agent sportif. Donc vous allez accueillir de nouveaux étudiants ici, sur le site de Font-Romeu. On pourra venir faire ses études ici, à la montagne, à 1850 mètres d'altitude, c'est la classe. C'est notre ambition, effectivement, grâce aux nouveaux moyens de communication avec le système de vidéo à distance, mais aussi concrètement, des nouvelles options ici, on veut accueillir encore et toujours plus de monde sur Font-Romeu. Alors, on va retrouver un de vos anciens élèves, Thibaut Crollet. Oui. Thibaut, c'est l'un des champions français de short track. Le short track, c'est le patinage de vitesse sur courte distance, c'est ça ? C'est ça. Et Thibaut a arrêté la compétition de haut niveau, mais il est encore ici sur le site, dans votre famille. On va le retrouver du côté de la patinoire en compagnie de Léo. Merci beaucoup. Thibaut Crollet, bonjour. Bonjour. Alors, le short track, c'est une discipline olympique assez récente. Pourquoi vous avez eu envie de faire ce sport ? Alors, à la base, je faisais pas mal de sports de glisse, beaucoup de ski. J'habitais dans les Pyrénées lorsque j'étais très jeune. À l'âge de 6 ans, on a déménagé dans les Alpes. Et voilà, j'ai un petit peu délaissé le ski parce que j'ai découvert le short track par hasard à la patinoire. À la base, je voulais un peu plus me tourner vers le hockey. Ça m'a pas trop plu, donc je suis resté sur la vitesse. Ça demande quelle qualité sportive pour pouvoir faire ce sport-là ? Alors beaucoup, beaucoup d'agilité, comme on peut le voir actuellement, de la force également, un grand sens technico-tactique pour pouvoir gagner sa course et devancer ses adversaires.
Alors vous ne participez pas aux Jeux Olympiques d'hiver, c'est pas trop dur ? Non, c'est la fin d'une carrière pour moi, le début d'une autre vie, ma vie professionnelle. J'ai mis tous les moyens de mon côté pour y arriver, ça n'a pas marché. Je regarderai mes coéquipiers, mes anciens coéquipiers à la télé. En vous disant que c'était une belle aventure que vous avez vécue. C'était une super belle aventure, humaine, sportive. J'ai découvert plein de choses, j'ai vécu plein de choses. Le sport de haut niveau, c'est une formidable école de la vie, très très formateur. Donc non, c'est bien. Alors vous êtes arrivé ici au lycée, vous aviez 17 ans. C'est ça. Qu'est-ce qu'on se dit quand on arrive dans un endroit pareil où on a formé autant de champions ? Alors c'était assez nouveau pour moi la structure. Après le fait de s'entraîner dans un centre d'entraînement, c'était pas du tout nouveau parce que j'avais déjà intégré le Pôle France à Albertville. Mais c'est vrai que Font-Romeu, c'était connu et reconnu à l'international. Beaucoup de sportifs sont passés par ici. Donc c'est vrai que bon, on arrive là à 17 ans, on ouvre un peu les yeux, ça brille de partout. Donc non, c'était génial. C'est pas trop impressionnant ? Pas trop impressionnant. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux à l'internat. On reste une bande de copains. On va à l'école, on est en claquette quasiment parce que c'est le même bâtiment. Après, on descend d'entraînement. Donc, c'est des allers-retours comme cela. Et vous avez suivi le parcours universitaire ensuite hein, sur... C'est ça. Donc, j'ai fait ma terminale au lycée climatique et sportif de Font-Romeu. Ensuite, j'ai intégré le STAPS. Ça ne collait pas trop avec ma pratique à 2 ans des Jeux Olympiques. Donc j'ai délaissé un petit peu le STAPS et le CREPS a recensé un petit peu les besoins des sportifs du centre par rapport aux études. Et donc ils ont créé un BP qui prépare au métier de préparateur physique. À votre avis, quel est le plus ici qui fait qu'on fabrique des champions en fait ? Cette culture un petit peu de la gagne, l'envie de gagner, l'environnement autour qui nous permet de changer un petit peu notre routine d'entraînement, un lieu extraordinaire pour s'entraîner à l'extérieur, donc c'est génial. Alors aujourd'hui vous avez arrêté donc, le sport de haut niveau, vous faites quoi ? Alors aujourd'hui je suis préparateur physique au sein du CREPS également pour former les nouveaux sportifs, mais j'ai également une société avec deux associés dans Font-Romeu, une salle de sport un peu grand public. Alors qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir former un sportif de haut niveau ? Il faut déjà avoir, je pense, un minimum d'expérience personnelle sportif, de façon à comprendre un petit peu les besoins et les nécessités du sport de haut niveau aujourd'hui qui vient se professionnaliser de plus en plus dans des sports amateurs. Est-ce qu'ici au lycée, on prépare à l'après-carrière sportive ou pas ? Il faut, et ils le font très bien justement, de par la mise en place de toutes ces études, parce qu'on est des sports amateurs et du jour au lendemain, finalement, on n'a plus rien. Donc il faut un petit peu assurer ses arrières en se formant pour après que le transfert dans le monde professionnel se fasse tout naturellement. D'où l'importance aussi de l'enseignement général. Exactement, je les mets un petit peu en garde justement, ces jeunes sportifs, en leur disant ne délaissez pas vos études parce que c'est hyper important. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été un lycéen et un étudiant un peu privilégié ? C'est certain, ouais, c'est certain. C'est un petit monde, le sport de haut niveau. Les profs, quand on loupait des cours, des interrogations parce qu'on était en compétition ou à l'entraînement, ils mettaient en place des tutorats, toutes sortes de choses qui nous permettent d'être là où on en est aujourd'hui. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir. Alors effectivement, tous les étudiants et les lycéens français n'ont pas la chance d'être dans un environnement aussi protégé. C'est ce qu'on va voir dans la seconde partie. Enquête de région se poursuit ici à Perpignan. Nous sommes sur le campus du Moulin à Vent pour une deuxième partie consacrée à la vie étudiante. Pour beaucoup, ça évoque de bons souvenirs parmi les meilleures années entre études, copains et soirées festives. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Pas de quoi se nourrir, pas de quoi se loger. Aujourd'hui, un étudiant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et puis, il y a aussi la pression des études, la compétition qui est énorme, comme en première année de médecine, le fameux PACES. Delphine Lindebert, François Jobard et Anne Vaillant ont recueilli à Montpellier des témoignages édifiants, rencontres avec ces étudiants en galère. On est stressé par tout ce qu'il y a autour, enfin comment vivre tout simplement en fait. On ne pense pas forcément en premier aux études en fait, on pense d'abord à s'en sortir. J'ai toujours ce côté financier, problème financier qui me revient en tête sans arrêt, qui me revient en pleine face. On peut arriver le matin en pleurant, on peut voir des gens qui pleurent et en fait le pire c'est qu'on trouve ça normal. On mange pas cesse, on pense pas cesse, on dort pas cesse, enfin c'est pas une vie quoi, c'est pendant un an on n'a pas de vie.
C'est sûr que le cliché de l'étudiant qui sort tous les soirs, qui fait la fiesta tout le temps et qui est toujours avec ses amis, non. Ça, moi, je ne l'ai pas eu. Aldric a 23 ans. Il loue son appartement en colocation sur Montpellier. Après 5 ans à la faculté, il est toujours en deuxième année de cinéma. Je prends un film qui existe déjà et je le gratte, je le peins pour en faire autre chose. Je veux faire du cinéma, vraiment. C'est une découverte, c'est une passion, c'est une aventure, le cinéma. Je pensais qu'en 3 ans, j'aurais ma licence et qu'après la licence, je partirais dans un autre pays avec une caméra et que je ferais des documentaires. Je n'avais pas du tout pensé à la nourriture. Je n'avais jamais connu la faim, je n'avais jamais connu le manque de matériel, ni le souci de se loger, car se loger est vraiment difficile. Et non, ma vie d'étudiante, je ne l'imaginais pas comme ça, je l'imaginais totalement autrement. Aldric n'est pas une exception. Un étudiant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Salut. Pour répondre à cette détresse, une antenne mobile du Secours populaire s'est installée récemment à l'université Paul Valéry. En 3 mois, elle a déjà distribué 150 colis alimentaires. Aldric s'y rend pour la première fois. Bonne journée à vous aussi. Est-ce que tu peux juste m'expliquer en 2 mots ta situation et pourquoi tu es venu au Solidarité aujourd'hui ? Bien, j'ai beaucoup redoublé mes années à la fac à cause de mes situations financières et du fait que j'ai trop redoublé, j'ai perdu les bourses. J'arrive plus à suivre. En 5 ans, j'ai eu 3 interdits bancaires. D'accord. Et j'ai eu un début de scorbut en début novembre. C'est quoi le scorbut ? Une carence en vitamine C. D'accord. Donc du coup, c'est un gros saignement des gencives et qui peut empirer par la suite. Ok. Et j'ai du mal à me nourrir, j'ai que des pâtes, du riz ou de ça marche comme ça. Ok. Une fois payé son loyer et ses factures, voici ce qui reste à Aldric pour manger, s'habiller, vivre. Ça fait que tu as 119 euros de reste à vivre par mois. Et si on le divise par 30, pour avoir le reste à vivre journalier, tu es à 3,96. Moins de 4 euros par jour. Aldric pourra donc récupérer chaque quinzaine des denrées dans ce Solidaribus. Je vais prendre les beignets. Merci beaucoup. Un petit peu de sérénité de gagner. Ça fait du bien. Valentine est aussi bénéficiaire du Solidaribus. Elle a 20 ans, elle est en licence d'archéologie. Je travaille souvent à la bibliothèque parce que c'est compliqué au squat puisque maintenant il n'y a plus d'électricité et qu'on n'a plus de salle informatique, on ne peut plus avoir un accès à Internet, ce qui est indispensable en fait quand on est étudiant. C'est toi qui l'as allumé, lui. Valentine dispose de 200 euros par mois, sa bourse de 100 euros comprise. Elle vit dans ce squat à Montpellier depuis septembre. Malgré la menace d'expulsion, c'est la meilleure des solutions qu'elle ait trouvées. Avant le squat, la première année de L1, je faisais les allers-retours entre Montpellier et Nîmes pour aller chez mes parents. Donc des fois, je finissais très tard. C'était pas toujours évident ou facile. Après la deuxième année, du coup, je m'en suis sortie parce que du coup, je logeais chez une pote. Mais après, je cherchais toujours à droite à gauche chez des amis chez qui je pouvais dormir, loger, quoi. Donc forcément, c'est pas les meilleures conditions pour étudier, en fait. Quand on n'a pas les conditions parfaites, on va dire, c'est encore plus difficile, je pense. De s'en sortir et puis d'avoir envie de continuer les études. Pour beaucoup, l'espoir vient d'un petit boulot. Mais 16h, Aldric est à la sortie de l'école. Il raccompagne Angus. C'était un renard qui devait chercher un lapin. Alors, quand on continue le carton, c'est bien. Après avoir travaillé comme caissier, Aldric s'occupe aujourd'hui d'Engus, Antoine et Anna-Louise.
une petite aide de 200 euros par mois. Super Antoine, c'est le meilleur boulot parce que les enfants sont adorables, ils ont toujours été gentils. Je pense avoir besoin de travailler, vraiment, pour avoir en plus de mes cours une raison de me lever le matin, de sortir, d'avoir une activité, de me bouger. Et c'est important, c'est vraiment important. Mathilde est en quatrième année de psychologie, mais elle s'était d'abord inscrite à la faculté de droit. Très vite, elle s'est rendue compte que ses difficultés financières l'empêcheraient de suivre cette filière. C'est vrai qu'en droit, l'emploi du temps est imposé. Et par exemple, il y a des créneaux que j'ai pas pu changer. Et du coup, j'ai perdu des heures de boulot en fait pour vivre. Alors, j'ai été allée voir les personnes concernées par des changements d'emploi du temps. Et c'est vrai que j'avais... Enfin, en gros, on m'avait dit que si la faculté n'était pas ma priorité, ben, je pouvais partir. Donc, je leur ai dit qu'en fait, je travaillais pour mes études, donc c'était ma priorité, mais que j'avais un boulot à côté. Et on m'a dit, ben, y en a qui ont de la chance, y en a qui n'ont pas, et toi, t'en as pas, et tu feras avec. J'ai trouvé ça injuste, en fait. J'avais l'impression que j'y avais pas forcément ma place. Mathilde ne regrette pas sa réorientation en psychologie, mais mener de front cours et travail alimentaire pèse toujours sur son quotidien. Non, des fois on souffle pas, puis en plus c'est des gros rythmes parce que c'est des journées qui commencent à 8h le matin à la fac, qui finissent selon le métier la nuit ou tard le soir. Donc après il faut rentrer, il faut se relever le matin. J'ai loupé des cours parce que j'étais trop fatiguée, parce que j'arrivais pas à me lever en fait le matin. La précarité n'est pas la seule galère pour les étudiants. Exemple ici en faculté de médecine, où les élèves en première année, en PACES, sont confrontés à un rythme infernal. Nawel, aujourd'hui en deuxième année, se souvient de cette masse de travail colossale qui lui était imposée. Elle a connu son premier échec. J'ai eu un parcours scolaire qui était très bon. Donc j'ai eu mention très bien et félicitations du jury au bac en 2015. Et puis en arrivant en PACES, donc la première fois en sortant du lycée, on donne tout ce qu'on a, on essaye en fait de gérer plein de choses et on fait plus que d'habitude. Et quand on voit des résultats qui sont tout d'abord assez, je pourrais même pas dire mauvais parce qu'ils n'étaient pas mauvais, ils sont juste pas à la hauteur de mes espérances. Au plus profond de moi, je me disais, est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que finalement, je suis pas intelligente? C'est ça, en fait, qu'on se pose comme question. Clarisse rêvait de devenir pharmacienne, mais elle a bifurqué vers des études de diététique. Car en première année de médecine, elle a craqué psychologiquement. Ça m'a déçue parce que je m'attendais pas à des notes aussi basses. Je pensais que j'allais au minimum m'en sortir. Et au final, j'ai perdu confiance en moi. Moralement, ça m'a vraiment cassée. Parce que j'avais dit à ma mère, c'est pas possible, enfin, je suis nulle. Voilà. Et du coup, j'ai de suite dit à ma mère, je veux arrêter, je veux pas continuer. Là encore, ce ne sont pas des exemples isolés. Selon une grande étude nationale, deux tiers des étudiants en médecine ont des syndromes anxieux. Un quart souffre de dépression et un quart ont des idées suicidaires. Un constat alarmant et une prise de conscience. Pour la première fois, l'association du tutorat a monté des ateliers de gestion du stress pour venir en aide aux premières années. C'est pas parce que vous allez voir vos amis 10 minutes, un quart d'heure que vous ne pouvez pas avoir votre PACES. Le tutorat, ça m'a sauvée, je pense, au niveau psychologique. On va être tous soudés pour essayer de s'aider. Et on crée une sorte d'entraide aussi. Et c'est fou parce que par rapport à l'isolement de la PACES, que l'on voit quelque chose de très restreint, où on doit travailler. Le tutorat, on travaille. On perd pas ce temps de travail qui est précieux. Et à la fois, en fait, on se régénère au niveau psychologique. Qu'il
qu'ils soient confrontés à la pression des études, à leurs soucis financiers, à la difficulté de concilier scolarité et travail, ils persévèrent au quotidien et leur volonté de réussir est d'autant plus exemplaire, car ils mènent une vie pleine de sacrifices et risquent l'isolement. Voilà, des fois, il faut encaisser le fait que quand la famille elle part quelque part, c'est sans toi. Que quand les amis font la fête un soir, toi, tu travailles. Pour ma part, c'est vrai qu'il y a des fois où, franchement, j'avais envie de tout lâcher, en fait, parce que des fois, c'est dur. On a juste envie d'arrêter, de mettre sur pause un petit moment. La plupart du temps, quand les amis m'invitent à une soirée, j'essaye de décliner en disant je suis fatigué ou je dois réviser, je trouve toujours une excuse. Des fois, j'ai vraiment envie de sortir, et alors là, soit je vais au bar et je prends un verre d'eau, rien d'autre, mais au moins je passe du temps avec mes amis, soit je leur dis tout simplement j'ai pas d'argent. Malgré leurs galères, tous veulent s'accrocher, avec la perspective de se construire un avenir meilleur. J'ai commencé un truc, j'y suis presque, pourquoi j'abandonnerais maintenant en fait? Pourquoi, faut pas abandonner quoi, j'ai commencé un truc, je le finis quoi. Si j'arrêtais, j'avais quoi après? Donc, en fait on continue. Hein. Après voilà, moi j'aime mes études, donc je pense que ça m'a aidé aussi. Après, avec du recul, je sais que c'était dur, que j'ai dû mettre plein de choses de côté et faire beaucoup de sacrifices. Mais voilà, c'était... Oui, il y a des répercussions, mais ça en vaut la peine d'un côté. Aldric s'accorde souvent des moments de détente au musée Fabre de Montpellier, gratuit pour les étudiants. Pendant son cursus de cinéma, il devait travailler sur un tableau. Mais il n'a pas été en mesure de suivre ses cours. Il a dû redoubler sa deuxième année. Un souvenir difficile, mais rempli d'optimisme. Quand je viens au musée Fabre, j'aime beaucoup venir dans cette salle et regarder le tableau de Sainte-Apolline parce que ça me rappelle un projet de fac que j'ai dû abandonner à cause de mes problèmes financiers et j'étais trop concentré du coup sur une recherche d'emploi et comment trouver de l'argent pour me nourrir. Et par conséquent, j'ai abandonné ce projet, j'ai abandonné certains cours de la fac. Et j'aime venir ici pour me souvenir de mon échec et de me dire qu'il ne faut plus recommencer, qu'il faut s'accrocher et vraiment que mes cours pourront m'aider à me sortir de ma situation. Témoignages très touchants et on souhaite bien sûr à Aldric, Mathilde, Valentine, Nawel et Clarisse de réussir leurs études. Alors si la vie universitaire peut parfois tourner au cauchemar dans les grandes villes, qu'en est-il dans les plus petites comme ici à Perpignan? On va en discuter tout à l'heure avec d'autres étudiants, mais on part d'abord en centre-ville sur le tout nouveau campus Mailly, rejoindre Léo, il est en compagnie du président de l'université. Fabrice Lorente, bonjour. Bonjour. Donc effectivement, nous sommes dans ce nouveau campus en plein centre-ville de Perpignan. On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais d'abord qu'on réagisse aux situations évoquées dans le reportage. Découvrir que des étudiants peuvent vivre avec à peine 5 euros par jour, voire même être obligés de squatter parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un logement. Vous réagissez comment à ce type de situation ? Alors, bien évidemment, on le sait, je veux dire, l'université n'est aussi que le reflet de la société. Hein, et on connaît effectivement les contraintes, la pauvreté. On connaît aussi les situations préoccupantes d'étudiants internationaux qui arrivent en garantissant des moyens, mais qui en réalité, lorsqu'ils arrivent, ne les ont pas. Donc on découvre des réalités. Alors, malheureusement, je pense que c'est une des caractéristiques sociétales, et l'université n'y échappe pas, malgré la faiblesse finalement des droits d'inscription. Alors nous, ce qu'on essaie de mettre en place, en complément de ce qui a été mis en place au niveau national par l'État, c'est finalement des dispositifs très ciblés, très particuliers. Nous avons un dispositif de solidarité qui a été mis en place sur le fonds de l'établissement, de l'université. Et quand on a des situations à Perpignan très délicates et qu'on a des alertes d'étudiants, on prend sur ce fonds et on leur donne des aides, on
comble des découvertes, on comble des dettes ou des loyers pour être en mesure finalement de les accompagner au mieux. Voilà. Et on trouve avec les assistantes sociales aussi de nos partenaires et de l'université les moyens finalement de les remettre à flot. Voilà. Donc on a tout un dispositif finalement depuis plusieurs années maintenant à Perpignan parce qu'on sait que c'est une réalité, on a un taux de boursiers qui est important et donc on veut essayer au maximum de les aider. Alors Perpignan c'est un peu plus de 9000 étudiants, Montpellier c'est 75 000, Toulouse c'est plus de 100 000 étudiants. Est-ce que dans un campus plus petit, c'est plus facile justement de déceler des situations compliquées et de mieux accompagner les étudiants ? Écoutez, absolument. D'ailleurs, on en fait une des marques de fabrique. Hein. C'est-à-dire qu'on se distingue des grands pôles universitaires. Quand je dis grand, c'est en quantité. Hein. C'est, voilà. Et nous, on travaille vraiment sur le qualitatif. On travaille sur l'accompagnement, sur la relation pédagogique de proximité, sur une qualité de recherche aussi, parce qu'on en parle trop peu. Mais l'université, c'est avant tout l'activité de recherche de proximité avec les acteurs économiques, avec finalement nos partenaires institutionnels. D'où les structures aussi éclatées un petit peu partout. Bien sûr, au plus près de la réalité, avec nos étudiants, pour nos étudiants. Et c'est vrai que nos enseignants-chercheurs sont très attentifs justement à cette qualité. Donc on a des plus petits groupes, donc mieux accompagnés, plus de travaux dirigés, plus de travaux pratiques. Ce qui fait aussi que les taux de réussite sont bons, que l'insertion professionnelle est bonne, puisqu'on est à 92% de réussite sur les masters actuellement à Perpignan. 92% d'insertion professionnelle à 12 mois. Quand même des taux plutôt intéressants. Donc oui, on en fait une marque de fabrique, oui, on le revendique et on ne veut surtout pas grossir. Alors, je le disais, on est dans un nouveau campus, le campus Maï, qui a ouvert il y a quelques semaines. On est en plein centre historique de Perpignan, ce qui permet d'ailleurs de rappeler que Perpignan est une des plus vieilles universités d'Europe, hein, 1350. On est en plein quartier populaire, on le voit. Pourquoi ce choix de venir en plein centre-ville ? Alors, plusieurs raisons. Tout d'abord, on a travaillé en étroite collaboration, bien sûr, avec la ville, le maire de Perpignan, qui a souhaité ardemment ce retour à l'université en ville, tout autant que moi. Et en fait, le bâtiment du 18e siècle, hein, qui est l'ancienne université, hein, Maï, on a d'abord souhaité ensemble en faire le siège de la fondation de l'université. Et en fait, ça a été le point de départ du projet global. Le maire me disant, et pourquoi pas des étudiants de droit, parce que historiquement, c'est le droit qui était à Perpignan, cœur de ville. Et c'est vrai qu'on a très vite pensé à un projet intégré, ce couvent donc, qui date du XIIe siècle, qui ne servait plus à rien. Ici, une construction possible sur cet espace. Et finalement, un travail tout à fait intégré de proximité. Donc, pour nous, un enjeu aussi de proximité, une ouverture de l'université sur la ville et sur les Perpignanais, une proximité retrouvée avec la population, parce que c'est vrai qu'au Moulin à Vent, là-bas, nous avons un campus-ville, et donc les étudiants sortent peu. Donc là, on participe à cette vie, on est au plus près des professions juridiques et du tribunal, et des avocats, et de toutes les professions juridiques ici en cœur de ville. Donc pour les stages, l'insertion, c'est très important. Et puis, parce que l'université veut participer aussi à la vie de la cité. Alors, tout simplement. Il y a quelques mois, vous avez lancé une campagne de publicité très provocatrice. Vous avez repris en fait le mauvais classement de la ville, enfin de l'université de Perpignan dans les palmarès des villes universitaires. Pourquoi s'être appuyé là-dessus ? Effectivement, c'est une campagne de publicité qui a fait beaucoup parler, hein. On le sait, c'était le but. Hein. Le but, c'était aussi d'attirer l'attention. Alors, c'était une campagne qui vraiment était destinée aux Perpignanais et aux Pyrénées-Orientales. C'était d'interpeller un petit peu la population et de leur dire. Vous avez une université à Perpignan, elle est qualitative. Et donc, on les a d'abord provoqués sur des clichés hein, qui se véhiculent ici dans la ville, comme « Ah bon, il y a de la recherche à l'université de Perpignan ? Ah bon, c'est pas un échec assuré quand on est à l'université ? Ah bon, c'est pas moins bien qu'ailleurs ?» Et on a démonté donc cette première campagne la semaine suivante avec le classement de l'université de Perpignan réalisé pour la première fois au niveau national, où on montre qu'on est premier des petites et moyennes universités en recherche, premier en formation, qu'on insère très bien. Et donc on a voulu prendre le contre-pied, renforcer les clichés pour montrer qu'ils sont totalement erronés. Fabrice Lorente, merci beaucoup. Alors merci justement, on est allé voir les étudiants étrangers qui sont ici à Perpignan, voir comment ils vivaient et comment ils jugeaient leur parcours. Ils sont avec Anne-Sophie. Il y a 120 nationalités présentes sur le campus de Perpignan et on va voyager tout de suite avec nos invités, avec Anar d'abord. Bonjour Anar, vous venez du Kazakhstan. Bonjour, oui, c'est et ça. Et vous étudiez le français, langue étrangère pour vous. Mm-hmm. Il y a également Ahmad qui est avec nous, vous êtes syrien, vous êtes venu faire un doctorat d'électrochimie. Mm-hmm. Et Mikaelo qui vient d'Ukraine et vous étudiez la littérature et vous êtes en Erasmus. Dites-moi pourquoi vous êtes venu ici à Perpignan déjà, est-ce que vous connaissiez Perpignan ? Je ne connaissais pas grand-chose, mais j'ai choisi cette université parce que ça correspond parfaitement bien à mon parcours en tant que francisant,
Je fais un parcours de langues et lettres. Et vous avez fait plusieurs universités. Vous étiez en Pologne juste avant, donc vous allez pouvoir nous faire la comparaison justement entre les différents systèmes. Anar, vous aussi, vous connaissiez Perpignan, au Kazakhstan? Oui, en fait, en 2014 déjà, je suis venue ici pour faire mes études au QF, et qui se concentre surtout sur les relations entre le Kazakhstan et la France. Il y a beaucoup d'échanges oui, avec voilà. Cette université. Ça bouge. Et vous, Ahmad? En fait, l'université de Perpignan fait partie d'un projet européen qui réunit plusieurs universités européennes et universités de la Syrie. Donc ce programme destiné pour les étudiants qui viennent de Proche-Orient. Donc j'ai postulé en bourse pour continuer mes études de doctorat à l'université de Perpignan qui a un parcours pluridisciplinaire sur la science de l'environnement. Et vous voilà ici. Correspond à ma formation. Est-ce que c'est problématique de se trouver dans une ville qui n'est pas très grande quand on est justement dans un cursus universitaire comme le vôtre où on a besoin peut-être de tisser des relations? C'est intéressant, on me pose souvent cette question et pour moi personnellement ça ne pose pas aucun problème. J'aime bien l'ambiance à Perpignan, surtout si on veut se concentrer sur les études. Honnêtement, c'est surtout ça ce qu'il faut. Oui, en tant que petite ville également universitaire, je trouve que ça m'arrange parfaitement bien, honnêtement. Alors la France est très demandée hein, par les étudiants étrangers, c'est le quatrième choix, la quatrième destination pour venir faire ses études. Quand on arrive de l'étranger, qu'est-ce que vous pensez que ça va vous apporter à vous d'être venu faire vos études ici? Mais déjà, l'idée de toute mobilité académique, c'est la découverte. Et c'est peut-être le défi. Moi, franchement, j'adore les défis. Et on est là pour apprendre à nous adapter, à surmonter des petits obstacles, tout ce qui est des obstacles culturels peut-être. Mais c'est ça, la découverte. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui ont envie de partager la même expérience que vous? Voilà, moi j'ai fait mon master en Syrie, donc, et vu la situation actuelle là-bas, je ne peux pas continuer mes études en doctorat en Syrie. Donc j'ai réfléchi de postuler un doctorat à l'extérieur de mon pays, aussi pour approfondir mes compétences et pour continuer à vivre au pays. Donc c'est comme ça, je suis très tranquille ici, ça, tout va bien. Vous sentez des bonnes conditions pour étudier, pour continuer votre cursus? Oui, en fait, dès notre arrivée à l'aéroport, le SURI, le service international de l'université, nous accueillir dès l'aéroport. Et ils ont réservé un logement pour nous, soit une chambre, soit un studio à l'université de Perpignan. Et c'est pas très cher, la vie ici, c'est très... À mon expérience, en fait, c'est très bien. Peut-être quelqu'un il a quelques difficultés, certaines difficultés. Peut-être quelqu'un étudiant n'a pas de bourse pour continuer ici. Peut-être ça peut être très difficile. Bien sûr. Même, mais pour moi, c'était très bien. L'expérience était très idéale. Et vous, Michaelo, le conseil que vous donneriez à ceux qui ont envie de faire ça, de partir à l'étranger ou de venir étudier ici? Il faut y aller, il faut essayer, il faut tenter la chance. Oui, si vous avez la possibilité de faire des études en France, si vous êtes un peu comme moi, comme Francis Zan, une personne qui étudie les langues et lettres, ce serait dommage de ne pas quand même découvrir l'ambiance universitaire et de ne pas voir comment cela se passe au niveau des études universitaires en France, au niveau de master également. Et c'est vrai que nous étions parfaitement bien encadrés dès la première journée, ça se ferait. Oui, il faut y aller, il faut essayer de bénéficier de toutes les possibilités qui se découvrent, parce qu'une fois qu'on est là, on a la possibilité d'assister à n'importe quel cours, même si le cours n'est pas en rapport avec votre formation, et de voir ce que vous pouvez découvrir, justement. Moi, je me suis trouvé souvent dans cette situation, lorsque pendant des cours, je me disais, ce qui m'arrive est tout à fait exceptionnel, et il faut que je profite justement de chaque cours, parce que, à part la formation en tant que telle, c'est en même temps l'apprentissage de la langue qui se fait presque automatiquement
surtout si on n'est pas déjà en débutant, mais si on continue à approfondir les connaissances de la langue. Et oui, c'est une double expérience à la fois. Absolument. Anna, un dernier conseil ? Je suis 100% d'accord avec ça, en fait. Il faut oser. C'est vrai qu'il y a toujours ceux qui n'osent pas postuler pour des programmes d'échange et parce qu'ils ont peur que leur maîtrise de langue ne permette pas de faire des études en France ou pour X raisons, je ne sais pas. Mais c'est en immersion que ça s'entraîne, ça s'apprend et tout. Et c'est vraiment la pratique de la langue qui fait progresser. C'est pour ça que j'encourage souvent mes camarades de Kazakh pour qu'ils postulent, pour qu'ils osent faire, pour qu'ils viennent, parce qu'ils vont apprendre ici. Il ne faut pas avoir peur de l'immersion. C'est ce que je dis souvent, en fait. De l'immersion et de la rencontre. Merci à tous les trois. En tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer, discuter avec vous sur ce campus. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 3 Occitanie. Toute l'équipe d'Enquête de Région vous dit à très bientôt. Et voilà. Ça a été.